les Kurdes sont dispersés sur un territoire d'environ 500 000 km², à cheval sur l'Iran, l'Irak, la Syrie et la Turquie. Ils sont entre 25 et 35 millions, 14 millions en Turquie, 6 millions en Iran, 5 millions en Irak et 2 millions en Syrie. D'origine indo-européenne, les Kurdes sont majoritairement sunnites et vivent au sein de régions montagneuses. Leur désir de créer leur propre pays remonte à 1695. Ils ont conservé leur langage, leur culture et leur propre système tribal. Vus comme une menace dans les pays où ils sont implantés, ils ont longtemps été victimes de massacres et de discriminations. La seule région kurde autonome se situe en Irak. Elle a été créée en 1991. Depuis 2014, il y a un regain de violence en Syrie et en Irak, avec la montée en puissance du groupe État islamique. Les combattants kurdes combattent avec acharnement les djihadistes. Ils constituent bien souvent le principal rempart contre la menace de l'État islamique. En Turquie, en 2013, le Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, a annoncé un cessez-le-feu après les réformes entamées par le président Erdogan. Un premier pas pour mettre fin à la guerre d'indépendance, vieille de plus de 30 ans. Mais en juillet 2015, la Turquie a commencé à bombarder les positions des rebelles kurdes en Irak et en Turquie, au motif que ceux-ci avaient rompu le cessez-le-feu.